L'étoile mystérieuse a enfin été remportée ce samedi 5 juillet dans les 12 coups de midi. Et magie du jeu, C.I.S.T. Esteban, arrivé ce jour même, qui repart avec la vitrine d'une valeur de 43 685 € de cadeaux. Le samedi 5 juillet restera à jamais gravé dans la mémoire d'Esteban. Arrivé en tant que candidat éphémère, motivé par la passion de son jeune frère atteint de trisomie 21 pour les 12 coups de midi, le jeune homme, étudiant en STAPS a réalisé le parcours parfait dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, en éliminant la maître de midi en place. Et alors que l'étoile mystérieuse était découverte de cases bleues depuis le 28 juillet dernier et laissait s'afficher le visage de la personnalité, si est-il lui qui a réussi à enfin proposer le bon nom. Il remporte 43 685 € de cadeaux, auxquels s'ajoutent ses 15 000 € de gains point les 12 coups de midi, qui se cachaient derrière l'étoile mystérieuse de juillet 2023, Esteban a réussi le parcours parfait. Jamais passé au rouge, le jeune homme a remporté le duel dans lequel il avait été défié par une autre concurrente. Opposé à la championne, en place depuis 4 jours, il n'a pas fait dans le détail en remportant son duel final. Devenu maître de midi, ce fan de basketball américain n'a pas tremblé face à Jean-Luc Reichmann. Grâce à son coup de maître réalisé, il a donc pu se présenter face à la fresque où il a pu prononcer le nom de la personnalité qu'il avait reconnue, à savoir le chanteur et coach de The Voice Kids Kenji Girac. En larmes, dès sa victoire prononcée, le jeune homme qui fait ses études du côté de Dijon s'est lancé, en compagnie d'un de ses frères et une de ses sœurs présents en plateau, vers ses cadeaux. Les 12 coups de midi, le hold-up d'Esteban. Depuis plusieurs jours, plusieurs candidats s'étaient cassés les dents sur cette étoile mystérieuse de juillet 2023. Alors que Céline, la dernière grande maître de midi, avait fait une grande partie du travail, la quadragénaire s'était faite éliminer le 24 juillet dernier après 125 participations. Puis ni Delphine, responsable de sa chute, ni Aurélien ou encore Nathalie n'avaient réussi à faire un coup de maître et donc pu proposer un nom devant la fresque masquée. Et si est-ce donc Esteban, venu de talent dans les Côtes d'Or qui a fini par remporter le jackpot. En une seule participation. Joli.